flair. Just want to start doing that stuff. Oh, can you faire? Oh, je prends ce petit lava champignon. Ce sera bien dopé. Aidez-vous, moquez de moi. Pouvez-vous ne pas passer une minute sans lave de champignon? Oulé pilou. Et très tranquille, essayez-vous. Monsieur Florent, à ce soir ou à demain au matin. Pourquoi vous mêlez-vous d'opposer aux ordres d'un docteur et d'empêcher monsieur de prendre son lave de champignon? Vous êtes vraiment inconsidérant. Mon Dieu, s'il ne veut pas mes pilules, je ne vais plus les lui donner. Je vais informer monsieur Pergon de cette insolence. Après que je parle à monsieur Pergon, Argon devra trouver une autre médecine pour ses pilules. Peut-être il commence à réaliser que nous ne savons pas quel virus il a. Il était une vache à lait, mais son comportement est inacceptable. Allez, mon Dieu, allez! C'est facile de voir tous les parles de gens face à face à plus commun. Ces médecins ne savent rien de tout. Ils pensaient que les médecins pouvaient beaucoup. Mais pourquoi est-ce que les gens partout dans le monde ne continuent de mourir? La maladie, les médecins volent chaque pièce de monnaie d'or que vous avez. Elle fait pour vous toujours malade ou mort. Je n'ai aucune confiance dans ces médecins qui vous disent de pousser les larves de champignons contre une ours. Je refuse de mettre ma foi dans les gens qui croient bousculer les pilules à votre anus est une bonne idée. Je ne dois pas gaspiller mon temps et essayer de vous aider. Je viens ici sur des ordres et je vais dire à monsieur Pergon que vous ne voulez pas mes pilules. Vous verrez. Vous verrez. Oh, mon frère, tu serais ici pour causer de malheur. Quel malheur! Ne prends pas les médicaments prescrits par monsieur Pergon. Peut-être tu n'as pas ces maladies que le docteur a dit. Mamma mia, mon frère! Tu parles comme un homme qui se porte bien. Mais si vous êtes à ma place, vous changerez bien de langage. C'est facile de parler contre le médecin quand on est en bonne santé. Quelle maladie souffrez-vous? Ah, vous me rendrez fou! Oh, je voudrais que vous avez ma douleur. Pourquoi si vous parlez autant? Ah, voici monsieur Bourgogne. Alors, pour une chance, vous avez belle nouvelle que vous se moquez de mes ordres que j'avais donné et vous ne prenez pas mes pilules que j'avais recommandées. Monsieur, ce n'est pas moi! C'est une traîtresse immense de ce type malade qui rebelle contre son médecin. Cela est épouvantable. Un lave de champignons que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi! Inventé et formé de la meilleure façon en suivant tous les règles. Il a tort. Avec beaucoup d'amour pour créer une fête merveilleuse. Mon frère! Le renvoyer avec tristesse. C'est lui! C'est une action ridicule. Cela est vrai. Une assassination immense contre la médecine. Il est cool de tout cela. Un crime qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que j'arrête tout commerce avec vous. C'est mon frère! Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Argon, Argon, Argon. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qui a forcé Argon de faire cette action stupide? Je suis le meilleur médecin de l'homme. Je suis toujours correct avec mes pilules et mes suggestions. Je suis très intelligent et j'ai jamais fait des erreurs. Argon a besoin de moi pour lui aider. Sans moi, il va mourir. Il est très fou pour faire cette décision. Il est très, très, très fou. Vous ferez bien. Et pour finir toutes les ans avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. C'est mon frère qui a fait tout mal. Détestez mon lave de champignons. Mais laissez venir, je vais le prendre. Non, vous ne pouvez pas parce que vous me rendez très fâché. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvais virus. Ah, mon frère! Et je vais utiliser toutes mes pilules. Il n'apprécie pas votre aide. Mais puisque vous ne voulez pas que je vous aide... Ce n'est pas ma faute! Puisque vous n'avez pas de confiance en moi... Il veut la vengeance. Puisque vous êtes déclaré la guerre contre mes pilules et mes suggestions... Hein? Point de tout! J'ai à vous dire que je vous abandonne dans votre mauvaise condition avec tous les mauvais virus sous votre peau. C'est fort bien fait. Tout est bon.
Argon n'est pas toujours obligé de prendre les pilules de mauvaise ordonnance, et Angélique ne doit pas se marier avec Thomas Diaphorus. Elle ne doit pas parce que Monsieur Purgon ne va plus s'associer avec Argon. Argon était un idiot pour payer les médecins pour toutes leurs pilules. J'espère qu'Argon ne s'assoit pas avec les médecins aussi. Oh, mamma mia! Je veux qu'avant que vous perdiez vos quatre vies, que vous devinez dans un état incurable. Ah, miséricorde! Que vous avez les tuyaux obstrués. Monsieur Purgon! Que les tuyaux qui se sont encore. Monsieur Purgon! Que l'absence de connexion entre les tuyaux. Monsieur Purgon! Que l'absence de vie supplémentaire. Monsieur Purgon! Que les tuyaux détachés. Monsieur Purgon! Que les tuyaux indonnés. Monsieur Purgon! Que vous vous trouvez sans vie! Comment puis-je continuer? Vous avez entendu la maladie, la Freddy. Quatre vies! Quatre vies! Oh, je suis fini! J'ai jeté ma chance à me débarrasser de ma maladie maudite. Ah, mon frère, pourquoi est-ce que j'ai écouté vos conseils et le calendrier pour plus tard? Quatre vies! Comment puis-je durer quatre vies avec de maladies assez mortelles? Ah, Belline, mamie, ma chère femme, ma amour, de voir la tristesse sur ta visage que vous posez à côté de ma corps mourant. Sera trop pour mon cœur de porter. Il y a juste quatre vies. Ah, mamma mia, je suis mort, mon frère. Tu m'avais perdu. Pourquoi? Quel est le problème? J'en puis plus. Je sens déjà que le médecin se mange. Vraiment, mon frère, vous êtes fou. Je ne pense que vous devriez être anxieux comme ça. Calmez-vous et récupérez un peu et ne perdez pas votre esprit et votre imagination. Croyez-moi, frère, la maladie extraordinaire dont il m'a menacé. Mais c'est bon que vous êtes. Il a dit que je deviendrai incurable avant que je perde mes quatre vies. C'est un camp vous attendre à ce moment. Ce moment pense que M. Bogdan a une chaîne de votre vie entre ses mains et son autorité suprême lui donne les doigts de couper court à votre vie ou de prolonger. Rappelez-vous la volonté de vivre entre vous, monsieur, le pas M. Bogdan ne peut pas vous faire mourir plus tôt ou son médecin peut vous faire vivre plus longtemps. Ah, oh, mon frère! Ils ont tous mes coupes de foie, et comment il doit me soigner? Je dois dire que vous êtes fou, et tout voir les choses dans une perspective très, très bizarre.